Vendredi 11 octobre 2024, Bolimbisi Mingi Ponangonga Oto Bandi, moi, ma problème technique et Tungi Sakibi Solo Kola Bomesano en avid pour sa Kinshasa, l'Otiliki, et Zali Tangonion Sorna, moi, Kokoson de To, Beta Kango, c'était Mikolonion Sorkembo Kanabijo, et Kendeliboson de Tibambo Kamoso, Bana Congo, vous avez éparpillé à travers le monde, vous avez Bako Kolanda Bison Bote, Pe, Boyebola Mokimi, la Mabota Nabino, et Sengona Baye Bazali Kolela. Consolation, bonne santé, nabaye bazali ko bela et nzambe asunga mabota anyonso na libanda tope na kati ya mboka pona Congo alelo e bandi révision constitutionnelle Augustin Kabuya passe à la vitesse supérieure et fait appel aux troupes à partir de la base CG. Il y a eu de PES, PO Azali Kosala d'office, Bongo Lokola, président Aï, Aï Bibongo Kosinga, na Baï eu de PES, Nyonso Bakanisa, Bongo, Mayo Etali, qui héritage, il y a Papa Etienne Tshisekedi du volonté naye, il y a Komona, Bongo Mboka, Kokendeli Boso, Peko Luka, Constitution et Sengeli, que Mboka et Tambola Malamu, UDPS a Boyaka Constitution en 2006, UDPS a Kotina Boko en 2018, UDPS a Lingi a Bongola Topé a Bongisa Bongo Constitution en 2024. Est-ce opportun ou pas, peuple congolais, besoin soutenir Bongo démarche à UDPS? Si oui, pourquoi? Sinon, Nini Yamabe Zali na kati ya démarche wana pona Congo lelo bandi mbote na bino. Trois invités sur ce plateau pour partager autour de ce sujet ndeko Champinga lula na loboko nanga ya mobali aza moko ya lisanga SID depuis un moment na ngambo ya opposition. Maître Champinga lula mbote pe boyebola mbote na yo mama Naomi mbote lungo na kulutu nanga na lingaka mingi pour les analyses très pertinentes Kulutu Mbenza en tout cas Kulutu nanga na sepela kana yo présenté invité nanga 5 nanga te parce que na sepela kana mingi c'est pas possible akoma na moi baza kana banalise na mala mo mais depuis un certain moment bon akomi ko inquiété biso bon il a problème te na sepeli na mon ami ya ndeko nanga ya ikolo parti yo ya ndeko nanga yi Chris Mukendina maître Jacob Mbangi tika mama na tombela baimboka oyo ba zwili bakuma be ya kokamba mana regime oyo ya mabe lokola oyo ya biso i regime abisengo na bisengo libido likolo na libido moyibi likolo na moyibi détournement mode de vie na bango bayoka sonité soki bayibi bakomi ba père de famille biso photo to sa to kanga mona kwa biso diffamation diffamation na tangi kombo motote na lobi régime ya moyibi likolo na moyibi détournement likolo na détournement na kosite soki to landeli lelo pona nini URA na nabiso etikali ndengwa nezo kende kosila te okoyoka kaka lisolo na détournement na kati toko banga biso toko banga awa to koti awa na eloko to bengi ya Nations Unies ya droit de l'homme kuna esika to koti to sengika na bakondi yango ya Nations Unies baza na mayele na bato na biso kotia bango kota mbongo te pamba te bakoka kosurprendre biso bakoyiba mwa mbongo komi ono te bango bayibi te badetourne baza na bango mayele mayele bango bagireka mikanda totombeli pe tongo elamo na secrétaire général na biso Devos Kitoko na Martin Foyolo Madidi l'incarnation de la sortie de notre pays dans la brousse, dans la boue, au régime et Chebiso, to bandi te bakoyo kapona dialogue, ce qui peut baboui, biso to sokoli maboko lo la poste pilato, to pesi solution, bango mokonde baboui. Maître Jean-Pingel, la matondo mingi, indeko Joseph Mbenza, pour déjà va présenter que moi, il a présenté le sujet à te. Mbote pebe bola, vous êtes de l'UDPS. Merci, ma maman. Merci, Nayo, de m'inviter. Je raté que le canachet nous a repris à M. Christian Bossembembote. Et puis, mon ami et frère Patrice Sahel, conseiller. Et puis, Jean-Pi, qui est un qui dérange le plateau souvent. Donc, je salue mon frère pour la première fois. J'espère que le débat, au fait, on a besoin des idées, hein, des idées forces, comme on le dit en politique. Mais laisse-moi saluer la première ministre, son excellence. Alobi, nous étions à 100. Heureusement, Pénaoutou, là, dans mon sous-soir,
habite aux Anakin à 100 mètres, nous sommes à 80. Au fait, elle a raison. Apparemment, il y a un monde à sentir qui me fait. En fait, ce qui est fait aujourd'hui, peut-être que je sentir. Quand nous avons pouvoir, nous devons sentir que les choses avancent. C'est un bon côté, madame. Je vais expliquer le mot fondamental. Ok. C'est-à-dire, na, le passif était trop, trop salé. Mm-hmm. Hein, passif, c'est ça qui m'a dit. Ben, indicateur nyonso ou et ça la fondamentaux d'un état et ça qui vraiment à Kobeba. Alors tant que monsieur Félix aillé, il est en train de refonder l'état. Alors c'est depuis 7 ans, vous faites oui, la même chose. Oui, c'est un travail qui peut prendre même 20 ans. Mmh. Là, c'est la bon non, non, c'est un travail qui peut prendre même 20 ans. Il y a refondation d'un état, c'est à dire il faut partir dans tous les secteurs où les lots nous sommes en train d'amener le pays à point zéro parce que nous étions à 100. On a zéro et plutôt ben, la décollage. Mmh. Alors, c'est comme ça que je salue la clairvoyance, la vérité, la sincérité de son Excellence, Madame la Première Ministre. Je crois dans des émissions élaborées, la Congo décortiquer ce qui a été interviewé là que je salue. Elle a montré qu'elle maîtrise son domaine en tant que Premier Ministre. Et puis, elle sait bien communiquer avec des termes simples et limpides en français comme en lingala. Donc, coup de chapeau à son Excellence, Madame la Première ministre. Matondo Mingunde Kwefraim Yaongoma. Yaongonda. Ah là là, Matondo Mbote Pebre Bolam, vous êtes du parti politique écolo, du président Chris Mukendi, Otopesi Mbote. Mbote Pebre Bolam. Mbote Maman Naomi, merci beaucoup pour l'invitation. Mbote na Makongomani, Mbote na ma différents co-débatteurs, Otoko partagé na Bango Plateau. Mbote na maître Jean-Ping Galula, ouais, ou sala bongo, ou toko benga, virement jurisprudentiel, pambate, kalamingite, azalaki, moto ya ASBL, Kabila Forever, ou azalaki ko exercer bongo en violation de la loi portant organisation et fonctionnement des ASBL en République démocratique du Congo, pambate, mobeko yo koloba ke, association but lucratif, ezali bongo apolitique. Mais maître Jean-Ping Galula passait tout son temps dans le plateau de télévision pour parler politique. En violation même, il y a mission Oyo, ASBL et Kosala. Mais tu constates Bongo, à sa virement jurisprudentiel, à ses ralliés Kuna, Ongambou, à Martin Fayoulou, j'espère pour lui que, à ce moment-là, il y a comme maîtrisé, et là, on a Bongo, on a qui s'en gagne, pas embatté, ce que ça lui m'a transimant, c'est à la capée difficile pour Naroué Bago s'adapter. Madame Naomi, rapidement, permettre de dénoncer la situation que ça s'est déroulée dans la société minière des Kilomoto, au Tokobenga, Sikomo. Ezali na madame Christine Feza Motema ou Azali Bongo, présidente du conseil d'administration, aza victime il y a lynchage médiatique ou yo tireur de ficelle nango Ezali Bongo, directeur général de la société Ezali Bongo Pistis Bomongo. Qu'est-ce qui s'est passé madame, c'est que Ndeko Pistis Bomongo a ngaki ko signer contrat moko na ba Ougandé pour na ko permettre Bongo ba na ko exploiter hors na niveau il y a société wana Sikomo. Madame Christine Feza a bien ko bloquer loko wana. Ce qui a fait en sorte que M. Pistis aille engager le communicateur de l'opposition, s'il vous plaît, qui passe la plupart de leur temps en train de tirer sur le président de la République, tirer sur les institutions du pays, pour soutenir l'action Wana. J'ai constaté que depuis des lustres, on a pour habitude d'attaquer les gens qui font très bien leur travail. On a attaqué ici M. Jules Alinghetti. On a attaqué ici le ministre de la Justice, Maître Constant Moutamba. Voilà le lot, Moutamba Salamoussa, et bien Madame Christine Feza Motema, Bazali Soukou a attaqué. Ma communicateur, on a taxé d'anciennes porte-parole, n'est-ce pas, de mouvement rebelle, alors que Yé Azala qui est dans la société où on a Sokimo depuis l'âge de 19 ans et qu'elle a toujours œuvré pour le bien-être du Congo. Pour avoir bloqué l'intérêt égoïste, il y a le co-directeur général Pistis Bomongo. Azali qu'on engagé par communicateur pour la vilipender Madame Wana, alors que lui-même Monsieur Pistis Bomongo Azali reproché et pas il y a des gens il y a aux sociétés Wana pour des raisons d'incompétence à outrance. Tout ce qu'il a pu améliorer c'est sa condition de vie personnelle, alors que Jean Bazali est impayé. C'est là que Bongo a déposé lettre au niveau il y a ministère de tutelle, ministère de portefeuille, mais aussi et pas il y a conseil d'administration pour Mbaté Azali. Organe aux opé sa impulsion à la société Wana. Mais jusqu'à ce jour, madame, nous allons bon décourager toutes ces personnes qui se sont lancées dans l'optique de pouvoir donner carte blanche à l'ennemi en Boka. Pambate, madame, société Wana, ils allaient dans la partie Est de la République démocratique du Congo, une partie tellement convoitée, tout y est dit que Ouganda a joué frangé Tenabiso. Mais nos copistes, ils allaient copé sa Ouganda carte blanche. Pour ne pas exploiter le minerai Nabiso. Et faute, il y a Mme Christine Fezazali tout simplement, cause à la patriote, côté les mêlés,
Makambo zo sala ke mboka été comme yango monsieur Christis a engagé batu ko na ko vilipander comme on a élu dénonçant ce genre de comportement. Merci beaucoup, le message est passé puisque Banzi na biscuit tozongé na de ko Jean-Pinga la rapidement ozali avocat moko ya ba avocat collectif d'avocats ya ndeko Jacinda là. Nous avons suivi ce dossier depuis le début bisika wa pi ndeko abima ki na koloba ke solo azala ki victime ya mabe comme la ki na ba loko ya agence ya renseignement ya mboka na biso kasi justice ekoti makambo yango ndeko wana ya pouvoir akangamaki to kola mboka na tongo botomoni audio ya mwana mboka Jacinda Lazuluka ba akino kosali sa mikanda biloko et puis dit que c'est lui. Qu'est-ce qui se passe? C'est vrai que dossier à la niveau à justice, faut pas commenter à niveau makasi, mais déjà autour il y a audio wana. Est-ce que vous cherchez à fabriquer de preuves? Qu'est-ce qui se passe ndeko Jean-Pinga? Merci nayo mwana mboka yambo na tondo la mokonza ndenge osemboli wana sigi sigi tikani ngai na lobela eloko moko ya moke na kozongela ngweza eloko moke pamba les gens veulent polémiquer inutilement. Heureusement que lobi justice azali saisi comme avocat, je ne peux pas interpréter une affaire qui est déjà surtout que nazali avocat dans les dossiers. Mais le coup les amis mon conjoint ya yo na ko pesa ka briefing ya moke la ngana lobela likambo moko etali province ya Équateur. Et le comment que collègue mala moté, ils allaient na trois députés moko niamu niamu le kanaki ba kamati bango ba sanctionné bango. Bah bazala qui invalidé. Bazala qui invalidé et pas il y a ba invalidé bango na plénière qui est l'organe suprême dans un fonctionnement dans le fonctionnement je vous en prie d'une province, n'est-ce pas? Alors qu'est-ce qui s'est passé? C'est que alors que Bazali est validé, va comprendre que le ministre de l'Intérieur, intérieur, Jacquemain Chabani, a bengisi bureau wana à wana ville à Kinshasa, a bengisi également remise en cause par l'autorité territoriale, les Ali Malamo Mingite, et le Koyo, et ça, la Soni Mingi à fonctionnement, il y a école en Abisso. Quand vous allez audio, il y a client Abisso. Encore que j'étais en voyage, Tango Bimi, Nayekoyo Kayango. Mais qu'est-ce qui se passe exactement? Parce que les gens doivent se calmer inutilement au lieu de spéculer les choses qui ne cadrent pas. Vous savez, en matière de viol, la preuve la plus majeure, c'est la preuve médicale. N'est-ce pas? N'oublions pas que Jacinda a été sodomisée dans les locaux de l'ANERS. Selon lui, ce qu'il nous a rapporté comme étant avocat, parce que l'avocat est consultatif. Il n'est pas attestatoire. Donc, il faut qu'il y ait un médecin qui doit attester. D'après notre consultation, là, Jacinda là, a confirmé, la consultation à Bissot, et même devant le magistrat, qu'il a été sodomisé. Et que pour ce faire, il lui faut, à la détenteur, il y a preuve médicale. À une attestation médicale. Alors, n'oublions pas qu'il a commencé par l'ANR et après, ben, il va conduire à la prison. C'était d'office. ANR a Kembaramon en prison. A sali en prison 3 ans. A Ekobima. Par grâce présidentielle, n'est-ce pas, à sali qui 14 mois, si je ne m'abuse pas. Parce que s'il s'agit à Ekobima par la grâce, il est sorti. Et quand il est sorti, dans la prison, à sali s'agit moi quelques examens. Selon lui, dans la déposition, il y a celle qui a bon examen. Il y a même un échantillon, il y a celle qui a inherbé. Et Moussous Basala qui a eu. Et il a eu des traumatismes à niveau Nyon Soyanzoto par rapport à cette histoire-là. Et étant donné que la preuve, là, il sait, c'est un intellectuel, que la preuve qu'on cherche plus, c'est la preuve médicale. C'est ainsi qu'il parlait à un ami, à son ami propre. Qui lui disait, non mais écoutez, on m'a demandé, parce que c'est tout un appel, on a coupé juste cette partie. Alors, il lui disait que... Nécessairement, il n'a pas l'argent. Non, il demandait que... Peut-être il y a eu quelques déformations, mais ce que moi je sais, c'est que Jacinda la doit rentrer dans l'un des hôpitaux à fréquenter.
Obtant ou abîmé qui prison. Pour le moment, il n'a pas de preuve. Article soit il y a appropriété pour nous. C'est comme ça qu'il attend que justice Nabiso a soumettre par des soins appropriés. Et notre client est prêt à être soumis à un examen approprié pour déterminer que et cette histoire est. Ils allaient à l'Okuta, tous ils allaient à Solo. Mais je vous dis que, d'après ce que notre client nous a dit, c'est ça. Moi, je parle de ce que le client nous a dit et il nous a confirmé. Et c'est ce qu'il a fait comme sa déposition, que exactement l'acte a été fait. Très bien. Alors, donc voilà, Salemaki, à Seigneur Mogote, à ceux qui ont douté, c'est ça la bonne manière. Si on doute, qu'on les ramène à l'hôpital. Et s'il fait les démarches pour obtenir quand même preuve Oyo, ils allaient exiger, n'est-ce pas, pour que Aza la détenteur n'en a représenté la justice, c'est je crois que ça n'appelle pas un débat. Sinon que Moutouanenda piège qui en parlant, il n'a pas l'argent, ce qui est vrai, et il n'a pas l'argent. Il n'a pas l'argent, il peut demander. Parce que bon, on est en hôpital, il examine Mukanda, n'a qu'un en hôpital. De toutes les manières, laissons la primaire à la justice, n'est-ce pas? Ne vous en faites pas, toutes ces questions seront vidées devant la justice. Les tribunaux compétent qui va être saisi parce que l'affaire sera fixée. Tribunal à Kotin d'ailleurs pas à Monganga. Monganga à Kotalaye, à Kopé sa Mikanda naye, à Kopé sa Mexamen naye, si c'est faux ou si c'est vrai. Soyons, essayons de nous calmer. Mais j'ai répondu seulement parce que Zamoukina Nayo. Merci beaucoup, Mwananyoka. Je vous supplie que ça n'appelle pas un débat, ça va, mais ça ne sera pas sécuritable pour moi par rapport à ma profession. Mais attends, mais. Ok. Il est gâté. On va quand même opiner. Non, là, je dois quitter les tables et les plats. Ça s'appelle un débat. C'est un biscuit. Vous avez un limite d'une république. Calmez-vous. Et votre client. Calme. On doit réagir. Calme. Pour éclairer la lanterne. Ça fait normal. Il ne faut pas dire ça. Parce que cette histoire a commencé par cette dame qui a dit ça. J'aimerais que vous puissiez me protéger. Je vous protège, mon avocat. Toujours, si j'ai du jour, au changement de la constitution, l'UDPS qui passe à la vitesse supérieure, Ndeko Augustin Kabuya qui dit que cette constitution qui nous régit jusqu'à ce jour démontre ses limites dans l'exercice du pouvoir public. Elle appelle à l'évaluation pour une adaptation correcte à la gestion politique et au progrès de la société congolaise. Ndeko Joseph Mbenza, démarche Nabino Ezaliko Simama Nanini. Est-ce que le lot UDPS est déterminé à changer la constitution et pour quel résultat? 3 minutes, Jacquinda à l'équateur, 4 minutes, Jacquinda là, et on n'en parle pas, il prend 7 minutes, nous sommes là, on le regarde comme ça. C'est pas correct, ça. C'est pas correct. Il a pris 7 minutes, il a parlé et nous, on dit rien. Bon, j'ai respecté la présentatrice, mais 7 minutes, donc maintenant, maintenant j'aurai 14 minutes. Pour être correct. Il n'a pas pris 7 minutes. Je vous dis, madame, à Bandi, ceux qui m'ont rendu équateur, en citant des noms ici, qui paraissent un peu indécents, et puis il y a la cour. Non, c'était le nom appelé. Tokéi, Ndeko, apaisez-vous. Calme. Hein, Kita. Vous êtes dans le mauvais camp. C'est ça le problème. Je ne vais pas entrer dans le détail, mais je vais dire seulement, c'est difficile de justifier ce qui est injustifiable. Et que vous savez que c'est du mensonge monté de toutes pièces. Et que ça va vous rattraper. Et que la justice rendra le verdict qu'il faut pour soigner l'image de la République. Et Ntokolandelango Tisuka. Si c'est l'État qui sera coupable, via son service, nous accepterons le verdict. Acceptez aussi que si c'est le cas contraire, que votre client fasse la prison. Ça, on y tiendra Ntokolandelango à la loupe. Toquer la révision en constitution parce que je ne vais pas entrer dans les détails parce que nous avons certains détails sur ces dossiers. Bon, mais oui. Un dossier, et ça a beaucoup à justice. Et nous avons déjà certains détails et les détails qu'il a, qui son client lui a dit
Et biso peut tout ça dans bateau, et biso biso. Bateau, ah, n'a le bas. Parce que bon, n'a le bas. Soit il n'a le bas. T'es toqué dans la constitution. N'a pas comprendre bateau, t'es dans beaucoup. Ba menace inutile et improductive. Et ça n'arrivera pas. Madame, Namboka Oyo. Hein? Et ça, la batou, ma télémi balobi que pour ma bango, na raisonnement ya politique, bon, ba yebi que Félix est président de la République, a na droit à modifier, à réviser la constitution. Parce que bino ba nani, et puis bo zui ma kamwana na constitution, on wapi. On se dit Félix, boko ça là, et loko te. Madame Mobutu, pendant qu'il était tout puissant, il a révisé, il a modifié la constitution de 1964 sept fois. C'est connu de tout le monde. Laurent Désiré Kabila y est à suspendre la constitution à Zaïre. A comment gérer Mboko par décret présidentiel, on y est Mboko Salamon sur base de la FNL, à changer en trois fois. Jean-Pierre Zalarapi. Bon, vous savez, Krokala, nous nommons de Kabila à Fayoul. Mais en 2011, Jean-Pierre, tu étais où? Quand Kabila touchait même ce qui était existentiel dans cette constitution, madame, pas toi et ça là qui constituait ça la main, eux et ça qui a consensus, ils ont déjà brisé Bandakala. Oui, bien, on t'est. On a pris un mille le bini. Pas de basse Mamindouki, mais pas de basse Mamindouki. Quelles que soient les raisons, tu ne peux pas toucher les armes. Qu'est-ce qui justifie des marches de paix en ces moments, il y a rechangé la constitution? Mais madame, nous sommes dans notre droit le plus légitime ici, dans notre pays, la République démocratique du Congo, et Augustin Kabila congolais, de sur quoi il a le droit. Président d'un grand parti. Pourquoi pas? Et puis le parti au pouvoir? Pourquoi pas? Qui l'interdit? J'ai souscrit dans la démarche de mon secrétaire général Augustin Kabouya. Madame, article 40, parlons-en. Parce que bon, bah, lobby, Félix a touché. Lobby, article 40 pour 40, voilà. Oui, qu'est-ce qui est dit sur cet article? Ça même détruit les valeurs en tant que famille. On vous dit de vous d'épouser la personne de son choix, on n'a même pas précisé le sexe. Ça, ça consacre l'immoralité. Et si on veut toucher ça, Jean-Pierre, lui-même, à Tarabali Bachevone, article 51, 51 de la Constitution. Ce sont des dispositions qu'il faut changer. Article 4, article 217. Nous, nous sommes pour qu'on change cette constitution. Mais quand il était kabiliste, pendant prématuré, ces messieurs, parce que c'est un kabiliste prématuré, et il devient fayouliste de fait. Encore dans la prémature, prématurée. Donc, on n'a pas du répondant en face. La constitution sera révisée, modifiée. Et sous peu, ici, nous allons le voir. Mais était-il le monde à répondre à tout mieux sur la Top Congo? Alors, nous, l'IDPS, notre travail, c'est de conserver le pouvoir en 2028. Est-ce qu'il a cité le nom de Félix Tshisekedi? Est-ce que vous avez vu Augustin Kabouya vous dire que notre Tshisekedi il sera candidat en 2028? Il vous a dit ça. De tout le problème que nous avons en RDC, problème, c'est la Constitution. Non, mais madame, moi, je ne comprends pas des Congolais. Tout le monde... Mais cette constitution a des problèmes qu'il faut changer et qu'il faut modifier. Mais quand on le dit tout haut comme ça, ça pose un problème. Madame, cette constitution ne vaut plus pour la République démocratique du Congo parce que le pacte de Saint-Cité a été déjà brisé depuis longtemps. Il faut passer à autre chose, une constitution qui protège la République. Le président a dit ceci. Je vais créer une commission. Ça, c'était l'idée magistrale. Pourquoi? Parce qu'il y a un mot qui a nuance dans Mikili. Pour nous recevoir la constitution, il y a un vandaka. Ben a un sociologue, un anthropologue, un politologue, un philosophe. Tali Mbokawana, ba sali mibeko oeza lié na ba mœurs, na ba valeur, ya Mbokawana. Mais M. Jean-Louis est sambalo bien, cette constitution, c'est l'œuvre de 21 personnes, dont 18 étrangers, 3 Congolais. Avec des tas à l'intérieur. Madame, comment dans un pays sérieux, pour être gouverneur de la ville, et pour être gouverneur de la Banque centrale, les conditions sont plus rigoureuses qu'être président de la République d'une grande nation avec 2 345 410 km². Alors, quand on veut protéger, madame, il faut que cette constitution soit modifiée, révisée à cas échéant, changer cela. Alors, en ce moment-là, Jean-Pierre Ngaoula et ses amis, comme ils disent à haute intelligible voix dans toutes les chaînes, que si Félix est parti changer la constitution, ils vont chasser le régime. Qui disent aux Congolais sur base de quelles dispositions constitutionnelles. Étant donné que le premier
une personne constituée Mbimi pour toucher la constitution sur le président de la République. Seul. Par son initiative. Et puis le conseil de, le gouvernement via le conseil des ministres. Et puis, une des deux chambres avec la moitié de ceux qui composent cette chambre, et puis 100 000 signatures de Congolais en forme de pétition. Ce qu'on peut dire, c'est là, si ce n'est pas constitutionnel, la constitution est, ils prétendent défendre. Comment vous pouvez empêcher un président de la République, Félix Tshisekedi, de modifier la constitution? Alors, dans le fond du débat, le fond du sujet, Ndeko, il distingue Kabuya Lobby. Constitution est démontrée par limite na bango na limite na yé na oetali exercice ya pouvoir public. Concrètement, pendant 6 ans, en quoi est-ce que la constitution a empêché au pouvoir Tshisekedi de bien faire les choses? Mais le gouvernement, le Félix Tshisekedi a fait le bon travail qu'il fallait. Mais dans la gestion d'un État, quand vous avancez à un certain moment, quand il y a mutation sociétale, on modifie les lois. Ce n'est pas interdit, ce n'est pas de la magie. Aujourd'hui, le carburant a baissé. C'est le travail qui est en train d'être fait. Dans les prochains jours, ce sont des produits de première nécessité qui vont baisser. Le gouvernement gère la République, mais le pays doit être protégé par une constitution qui est adaptée aux Congolais. Moi, je plaide pour que la nationalité ne soit plus exclusive. Que la nationalité s'ouvre à d'autres Congolais de vrai, je ne dis pas de Congolais de faux là, parce qu'on a l'amboka la bango, bah le vrai bas à l'aise l'amboka. Par exemple, moi, raison qu'on a repris ça, Félix a quand même modifié la constitution parce qu'elle a le pouvoir. Et nous devons se mener au salon de quel droit ils ont de le dire. Très bien. Je vous reviens, Ndeko Ephraim, Malobombokayo, Ndeko Moïse Katumbi qui tweet ce matin. Il dit que ce n'est pas la Constitution ce n'est pas à cause de la Constitution que les hommes armés ont tiré à balles réelles sur nos enfants dans le Congo central. À cause d'elle, l'argent de l'État est abusivement dépensé. Le problème de la RDC aujourd'hui, ce n'est pas la constitution, mais c'est un problème de gouvernance. Est-ce que vous partagez son avis, Kolandaka Malobondeko, Augustin Kabuya Alobi? Merci beaucoup, madame. Je vais répondre à Motuna Nayo. Mais parce que l'émission est à caractère pédagogique, permettre à la salle un peu moins rito, près de l'âge, dans un argumentaire développé par Maître Jean-Pierre Ngal. C'est vrai qu'il va faire partie à collectif, il y a procès aux armes. Il est parti civil. Je ne suis pas entré dans les débats sujets isolés qu'il a développés. C'est pour des raisons pédagogiques. Soit respecté, madame. Parce que moi, je ne peux pas mettre mon carrière en danger. Non, ce n'est pas un sujet. À moins qu'on me dise que c'est un sujet. C'est pour des raisons entrer dans la logique, c'est mieux. S'il vous plaît. Il y a des étudiants qui font. Alors, il faut lui dire. S'il vous plaît. Madame Lomé, c'est pour des raisons pédagogiques et les étudiants nous suivent en ce moment. Ce n'est pas à la partie civile de chercher la preuve. Ici, nous sommes en matière pénale. Les maîtres de l'action pénale, c'est le ministère public. C'est lui l'accusateur public, l'organe de la loi. Il ne revient pas à la partie civile de pouvoir démontrer la culpabilité des uns et des autres. Et ça y est, on a décrit il y a 6 août 1959, portant code de procédure pénale. À moins que maître Jean-Pierre puisse inventer une procédure existentielle, oh, et ça en amont, Nabango Moko. Mais s'il faut rester sur la loi congolaise prévoit qu'en matière pénale, le maître de l'action publique, c'est le ministère public. Et dans cet effet, il recherche le prof, le complice, le co-auteur, afin de le déférer devant le juge. La partie civile en matière pénale n'est qu'une partie jointe. Partie principale, Ezali Bongo, ministère public, topé, organe de la loi. Donc, ce n'est pas la partie civile de chercher le prof, il y a rétabli la culpabilité des uns et des autres. Par rapport à ces mensonges, je dois demander pardon au peuple congolais. Madame, rapidement, pour répondre aux questions, vous devez comprendre que la révision constitutionnelle, ou bien le changement de la constitution, et constitutionnel. Et l'Ingolobani, c'est prévu par notre constitution. En allant de l'article 218, qui donne l'article 220 de la constitution. Mais il faut dire que le changement de la constitution est causé soit total, soit partiel. Ce que Zali te donne, ça veut dire que Tosui, tu salis table rase de toutes les dispositions constitutionnelles, tu l'ongoli en haut pour ta constitution, mon souci à Sika. Voilà, tu bénis en haut, changement total. Et ça dit partiel lorsque Tozo la haut va une révision constitutionnelle. C'est-à-dire que Tozo peut toucher constitution, mais non pas dans l'intégralité à la disposition dans un mot.
et article 218 de la Constitution, et Pessi Batouro, il va prendre initiative, il y a comme ça, là, pour le changement, il y a comme ça, la totale, topé partiel. Tous allés dans le président de la République, tous allés dans le gouvernement, tous allés dans un tiers de membres composés soit à l'Assemblée nationale et le Sénat, ou bien tous allés dans 100 000 Congolais, ou bien qu'on va changer la Constitution. Pour répondre sur quoi la question est-elle opportunité. Madame, le droit est une discipline essentiellement sociale. Le droit naît, évolue dans la société. Le droit est censé être la réponse par rapport au questionnement sociétal. Et qu'est-ce qui se passe dans Bourganabiso? Il se passe que la constitution actuelle ne répond plus au questionnement, n'est-ce pas, de Congolais. Vous allez vous rendre compte que dans la pratique, peu importe ce qui arrive, le peuple congolais a toujours pour habitude de tenir pour responsable le président de la République. Parfois, ne sachant pas que le président de la République a le seul de tenter et à pouvoir exécutif et qu'ils ont partagé en gros la premier ministre. Et que le premier ministre a endossé responsabilité politique au niveau de l'Assemblée nationale, topé à Sénat. Voyez-vous un peu ça. Donc, ça veut dire que le peuple congolais n'a moutoun déjà, qu'il a déjà la révision à la Constitution. Oh, toujours ça, déjà tout simplement pour matérialiser vision, tout peut idée à peuple. Voyez-vous un peu ça. Il suffit que la nouvelle de la bouchée, oh, ils ont revenu peut-être la bourgoumestre, même le président de la République. Pourquoi? Parce que puisque nous sommes africains, on a toujours pour habitude de responsabiliser le père de famille. Donc, vous le président de la République. La démarche de M. Augustin Kabouya. Nous soutenons la démarche, mais nous sommes en train de dire que le parti politique école, dans le cadre de son projet de société, opine pour un changement partiel de dispositions constitutionnelles. Quelles sont ces dispositions, madame? Tozali a libéré son article 71. Article 71, actuel constitution, le président de la République a élu la majorité simple. Bisous de l'obité. Élection, il y a deux tours, il faut zone là. Pour la nini, parce que le président de la République a un symbole de l'unité nationale. Il faudrait que Azoaba voit au père Mingongo, il y a ma majorité à Congolais. Quel est le mécanisme pour atteindre le courant de la c'est tout simplement qu'on tient deux tours et qu'on permette que le peuple congolais a voté suffisamment pour le président de la République et ainsi on va parler d'un problème de la légitimité. Tout le monde a le président élu, quoi que vous allez à violation de la Constitution à Bissau. Il y a mis par les articles 78 de la Constitution à Bissau, le président de la République nomme le premier ministre au sein de la majorité parlementaire. Vous voyez comment la disposition les autres permettent que nomination à premier ministre est la moulaï. Tout le monde est au Sénégal, le président de la République à Côte, tout de suite après, on avait un premier ministre. Et les gens ont fustigé. Mais pourquoi ce n'est pas chez nous, pourquoi chez nous ce n'est pas le cas? Parce que c'est la constitution qui ne voudrait pas. Parce que le président Alain Melié, il faut en nommer 4 à 4 la majorité. Et majorité parlementaire, à Okozabon, là-bas, caprice. Et puis je vous rappelle qu'il n'y a aucun candidat qui est en train de déposer sa candidature en tant que candidat député national ou sénateur dans la belle réunion sacrée. Mais il s'agissait plutôt de candidats qui émanaient soit de partis politiques, soit de regroupements politiques. Il n'y a eu aucun candidat à qui n'a pu déposer candidature n'aille sous le quota de Congo et Union Sacrée. Est-ce pour ça qu'il faut nécessairement toucher la Constitution? Exactement. Pourquoi? La loi électorale. Pourquoi, madame, il faut toucher la Constitution? Parce que la Constitution les autres définir bah, principe sacro-saint exercice à pouvoir politique. Donc, ce qui constitue là, bah, quoi, avancement et à payer à la terre. N'a pas ce exemple à disposition, Moussous. Article 198, nous porter élection à bah, gouverneur. On ne va pas se voiler la face, madame. Toyebi, Nengenini, élection gouverneur et Salimaka. J'étais avec les députés provinciaux. Banco le bagage, comme la langue à Liboso, ils ont élection à gouverneur. Voyez-vous un peu ça. Donc, il fallait revoir cette disposition pour dire que ça président de la République pifoué qu'on nommait par gouverneur. Pourquoi je le dis, madame? Parce que ma gouverneur de province, Bazali, ma représentant de président de la République en miniature. Ils appliquent la vision du chef sous ma entité territoriale régionalisée dans Bango. Donc il fallait que le président de la République a nommé Bango et qu'on permette, madame, pour parler à cette situation, qu'on renforce pour les zones nationales. On a vu le cas avec Mobutu. Aux alliés Moutouabam, nous avons nommé au gouverneur Kounan et Équateur. On n'avait pas affaire à ma problème et à ma guéguerre aux alliés Bongo, inutile et superflu. Donc, madame, question et la révision constitutionnelle, les alliés Bongo, opportun. Il va falloir toucher aux dispositions de la Constitution pour que le cannabis soit développé et évolué. Tout le monde que la tienne la constitution, aux autres métalliers sont croque en jambes. Constitution, au peuple congolais, à l'aller aspirer dans nos sous-souté. Et ici, j'ai réitéré, madame, ce n'est pas maître Jean-Pierre Galola qui va me contredire, l'initiative de pouvoir changer, soit partiellement, soit totalement la constitution,
Emmanuel président de la République. Sauf que quand nous nous disons, par rapport à ce qui est du changement total de la Constitution, tu as quoi que ce qui est ok dans l'optique où on a tout quoi se rencontrer dans un problème ou mort quoi. Parce que changement il y a constitutionnel, changement total il y a Constitution, et que ça appelle l'article 5 Nabiso. Le peuple souverain a et ben va intervenir. Mais à l'heure actuelle, une case spécie, vous avez la localité où ils ont occupé. Donc, peuple est à côté pour nous avoir voté. Il y aura pourquoi plus un peu opiné, au lieu qu'il y ait un changement total, pour réviser partiellement certaines dispositions afin de permettre à notre pays de pouvoir. Très bien, merci pour le détail, Ndeko Ephraim. Moi, Namboka, Ndeko Jean-Pingalula, vous êtes aux amours, Baïmibeko, Namboka, Nabisson, Ndeko, où tu peux expliquer le pourquoi il faut changer, soit partiellement, soit totalement la Constitution. C'est un mécanisme qui est mis en place pour que Yango et Yeba Bongo Ko Salema et importance Yango to opportunité on attend et Zali Nini. Est-ce que vous soutenez comment la démarche de l'IDP? Sinon, qu'est-ce qui ne va pas? Ni Ezo Sala, ni Ezo Simba, Teto, ni Bozo Mounama B, la démarche à l'IDP, ce que nous avons Simba Constitution, on attend. Merci Nayo, Maman Naomi. Yambo natondo la buena mokonzo ayo sigi sigi na sengeli kozonge la momo ke koyungo la bosambulu elekani na plateau na yo yambo nande ko nangai Joseph Mbenza doit savoir eloko moko yenda nekolo batambu sarango na kiyankete. Yenda nekolo batambu sarayango na kite tite. Yenda nekolo batambu sarangote loko la asio melibangi ale sikawa. Ese wola lezate, tu commences à crier en route et puis koke noko grimase batu. Non. Tous les plus forts en politique basuka mabe. Et nous leur disons qu'ils ne s'alignent pas sur la liste des plus forts pour défier la population congolaise. Bame kate. Alobi awa maman premier ministre alobi ke mboke zalaki dans un trou. Sika wa ezo bima deja. Elo komo na osenga na bakonzi na biso er mugo botika ki teti na mutu makasi. Bozo na mbatu ya batu ba yekoli communication baza la rappel pembeni na bino. Sinon apparemment biso na bana na biso on ne comprend plus rien. Quand madame dit que akutaki mboke zalaki na kati ya trou. Alors qu'il vient de remplacer son chef dans un gouvernement, Oyazalaki, qui ont laissé le pays dans un trou. Tout ça, c'est jouer exactement avec nous. Donc, maman Oyo, soumis-moi, Azalaki, na ministère, na tango, na. Yassamalokonde. Ministère y a plan. Ici, quand j'ai les bongo toulou, totenan yongwa, les bongo toulou, le bambaye nambalo. Maman wana a ko solisazu courage. Ya kote le makoloba na biso ke akuta ki mboka dans les trous. Qui a mis le pays dans les trous? Mais depuis 60 ans notre pays. Ah, arrêtez, laissez-nous ça. Arrêtez, laissez-nous ça. Ça Malukou n'a fait quoi de bien au Yakuti? Ça Malukou n'a sala ki nini amabe au Yakuti a dévalé la population au Yabongi silelo. Madame, ces gens ici se protègent entre eux. Bazo gérer sur le système Ali Kelemba. Oh mutu nangai mutu nope yango lia tokende. Oh. Je te dis. Bazali bato yo komona moto ko tellement le bien biso ba kasaye ngai na tele melaka ba kasaye. OK na kasai kuna. Ata tulu ba pa mana munoko na ebite. Ba ko tellement ngai moto na bandundu, ngai moto na bandu na ko lobela bandundu. OK na bandundu ka kuta esika kola bwe banda ko ka ya mabele. Non madame. Maman a eu sa biso vérité. Aloba, to chagi mboka na trou, na kouti ya mongape na trou, na timoli trou mouna nga mousousou, na zo koba na bino na trou, na otika bino na mboulungu to li boulon mouné. N'est-ce pas que carburé kiti? Eza la kokote la kadra. Madame, est-ce que tout le monde baza na moutouka? C'est comme on le dit que téléphone Android est kiti. Tout le monde a la moutou ka kote mouna moutou ka maman. Maman a tout nio et colère ma sang ou paix qui tient comme une akobe. Écoutez madame, nous. Parce que nous sommes en train de se faire. Carburant et kiti et pour permettre que nous sommes en train de se faire. Nous sommes en train de se faire. Nous sommes en train de se faire.
coué qui tapé na marché natunio, dans natunio carburant et kiti carburant et kiti ça comme 85,000 francs tina moelle ça qui a l'os 70,000 francs congolais ça ce qui a ces moules 70,000 francs congolais transport et zaga passe transport et zaga kandenge moko na même prix qu'est-ce que tu appelles ça comment est-ce que beaucoup qui kozala gentil na eloko e produire ba effet ya malongate maman tikana po ngana ko koleksa ngonga pamba baza jaloux na ngai hein parce que ils savent la pertinence pour laquelle nous détenons depuis un certain temps. Mon frère, qui est encore juriste terroricien, en apprentissage, en Dirsi, il a voulu défier la colline, une montagne, un sommet d'intelligence, 10 ans dans la profession, à l'Obinangaï, c'est le ministère public qui produit la preuve en matière pénale. Le ministère public, c'est un organe poursuivant. La charge de la preuve, attendez s'il vous plaît, la charge de la preuve incombe à celui qui allègue les faits. Et c'est un principe universel des droits qui dit « actori incumbit probatu ». Étant donné que c'est nous qui avons apporté, c'est Jacques Ndala qui a apporté l'accusation, parce que lui ne sait pas que Tofundaki. C'est nous qui avons apporté l'accusation. Et c'est à nous de revenir avec la preuve. Parce qu'en matière de viol, l'unique preuve patente, c'est la preuve médicale. Vous devez attester par la preuve médicale. Médecin légiste à produire attestation médicale pour dire que c'est vrai ou faux. Et c'est ça. Nous sommes à ce niveau. Et si notre client est en train d'aller dans cette ligne-là, je crois qu'il n'y a pas, ça n'appelle pas et totalement un débat. Soyons humains, hein, de toutes les manières. Soyons humains pour dire ceci. Moi, j'aimerais que les Congolais, tout le monde, laissons la justice les faire son travail. De toutes les manières, si le client a menti, il y aura l'action téméraire et vexatoire que cette dame peut faire ou que la République pouvait faire. Jacques Ndala n'a pas porté sa plainte contre le service à l'État congolais, non, non. Il s'est plaint après que c'est à ce niveau-là. Je n'appelle pas un débat et je les supplie. Ce sont mes amis. Je leur supplie qu'on n'entre pas dans ce débat-là. Parce que c'est clair. Vous entrez, moi je dégage et je vous dirai que ça ne serait pas élégant. On se connaît en dehors du plateau, qu'on se protège mutuellement de ce qui fait que nous puissions vivre. Voilà. On va dans l'article 40 de la Constitution. Article 40. Il y a le but qui est article 40, il y a le but qui est bateau. Babalana, Kasi, va préciser la bango sexité. C'est ça, non? Il y a un le but. Merci. Heureusement, Dimi, total. Mbenza lelo na kangye lukuta. Tout individu a le droit de se marier avec la personne de son choix. Atiye virgule. N'est-ce pas? Balobi, de sexe opposé. Donc, de Mbenza, aïebina été, quand on dit sexe opposé, ça sexe mokote. Voilà comment nous avons des gens qui s'improvisent dans ces pays. Le mal, c'est ça. Mbenza a sali science, ce qui est un politologue. Kunanga y nazara boto sinaï. Mais balami y a tout ça que l'on a c'est l'université. Talama kambo tout ça. Et je l'ai interdit plusieurs fois, c'est la dernière fois. Ne parlez jamais de droit quand tu me croises sur plateau. Le lo nous allons élégant, mais la prochaine fois nous allons élégant envers yoté. Ah, bah, le sexe opposé. Sexe, c'est allié opposé. Tu allié moins sinon mon bal. Ce qui est mon bal, et que l'on bal. Sexe opposé, c'est allié. Les gens de la maison ont répondu. Des articles, et bloqué, tu sais qu'il dit, à qui tu sais dollar. Article 40 d'après Bango, et bloqué fonctionnement en Boka. Article 40, des salis qui voyage, et le cas, la réalisation à chef de l'État na Ebele. Article 40, Nesali d'après Mbenza yé, Nesali, réserve de y a échange. Ezali et Belé la banque, mais populations ont souffri. Article Nesali que URN a été qu'à inachevé. Concrètement, concrètement. Pour la ligne Bozo, il y a des marches, il y a eu de peste pour changer la constitution. Maman, au bout, il n'y a pas d'article, il n'y a pas d'article, il l'interprétation à l'Okuta. Il n'y a pas d'article, il n'y a pas d'article. Tozo Boya, pourquoi, maman? Tozo Boya, parce que la première des choses. Qu'on nous dise ce que Tshisekedi a, monsieur Tshisekedi, a respecté dans la Constitution et à quel niveau cela a rendu un blocage. On vous dit qu'on doit réviser. Oui, on peut réviser. Ça, on ne disconvient pas. Mais quelle en est l'opportunité?
Quel est l'animus qui est caché derrière cette histoire? On veut modifier parce que Kabila avait modifié aussi lui la constitution. On veut modifier parce que Mobutu avait modifié. Ou on veut modifier parce que disposition Mokwe Zali Awa et Yébisi na chef de l'État que ministre Wassali Moussala Mabeko Bengana été. Est-ce qu'il y a-t-il une disposition ici Oyezo ko sala ke lelo oyo mutoko ko gérer na mboka mabe après on les récompense par un grand poste. Qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Ngana ko bisa na. Ko changer constitution et pour mégater. Ko changer constitution égale ko changer régime. Ils doivent en tout cas ils doivent mettre ça dans leur tête. Aussitôt va changer constitution, ba tie constitution sika, république sika, régime pas sika côté. On ne va pas accepter que Bato va s'aller le côté pour l'école. Il trouve que pour ce qui est plus urgent, ne vous en faites pas, maman. Dans 2015, la population est morte dans les élèves. Tu as vu, c'était pour la constitution. Tu as vu, sa population dans les élèves. Peuple, il y a une constitution. La constitution, il y a des belligérants, il y a des nains. Où sont ces belligérants-là aujourd'hui, Bazawapi? Très bien. Merci beaucoup. J'appelle même Bazalina. Jean-Lucien Moussa. Azalina. Baton, non, c'est Bozana, Bangwana, Bazabana. Aujourd'hui, Bozana, c'est plus sur les sommes, non, constitution, et ça, ça, là, qui n'a 21 personnes. Non, constitution, yango, to vota yango. Très bien. Botika bande konangai. Les chefs de l'État doivent savoir. Une minute, maman, on a suivi ça. Non, non, non. Les chefs de l'État doivent savoir. Il y a une vie après la présidence de la République. Ah, mais bate la lande la va flatter au thé. Bon, tiens, allez, boulou. C'est bon. Merci beaucoup, madame Boka. Élection, il y a RDC, le Conseil des droits de l'homme. Deko Joseph Mbenta Tozo Kenena Souka émission est une bonne nouvelle. Sinon, les autres biso face à responsabilité na biso Deko Monamboka Lelo Deko Martin Fayulu a tweeté pour na kosenga bongo babi misaba prisonnier politique nyonso na kolandaka ndenge to koti na kati ya Conseil des droits de l'homme. Votre réaction? Mais j'aurai le temps comme lui parce qu'il a beaucoup fait. Na pesi d'accord na professeur Mbatatanga Lobara, tout juriste n'est pas constitutionnaliste. Une simple virgule change. Oui, je suis estomaqué, je suis effaré de voir un juriste. Bon, je le respecte comme un avocat, mais pour l'interprétation, il est dans l'analogie. Moi, je suis pas un homme de droit comme lui, mais il a péché quand dans une disposition constitutionnelle, il y a une virgule. Il y a cette interprétation. Ce qui a yébi, bon, procédure pénale, civile. Ayébi, ça va congolais, incidence d'une virgule dans un paragraphe moron à la constitution. C'est là que tu vas télémer la rango. Moi, je me souviens même tant que tu as à disposition, Oyo. Ma maman va te bêler, va télémer la rango. Il fallait ça de manière limpide, sans une virgule. Ça aurait donné un sens. Voilà un juriste, bon, avocat, je le reconnais, mais l'interprétation constitution, il est à côté. Ça, c'est de un. De deux. Que maman Judith mais son ami Kabila, dont il a été membre prématurément dans Asbel Mokoboé, en violation de la loi, mais c'est un avocat. Son camarade Joseph Kabila. Respect un peu. Mais monsieur, quand toi tu parlais, moi j'étais là calme. Tu as pris 15-20 minutes, tu n'as rien dit. Nous avons rencontré yo, monsieur, le kabiliste. Failliste au même moment, te sangui si je ne sais pas, ça va donner quelle sauce. Une bombe atomique. Bombe atomique. Toi, tu crois que tu fais du bruit et tu nous rencontres nullement. Oui, par respect pour Naomi, s'il vous plaît. Donc, c'est-à-dire, au sangui na tiki, mais ton côté na constitution. Yosa nani pour empêcher de s'auto-modifier la constitution. Je suis peuple congolais. Bon, toqué na concept de peuple. Tu peux donner un sens. Par rapport à la politologie, au terme peuple et population, tu auras du mal à le faire. Tu dois engager les militants de l'ECID. Ici, j'engage l'UDPS. Voilà la compréhension politique. Il faut le battre. Bisso, na micro parti, na bisso parti politique ECID. Où est la gare à Nambo Tchangou? Et puis ici, vers Delvaux, Tolobi Toboi, révision la modification constitution. Ça, c'est correct. Quand vous évoquez un peuple, même une population, là, vous êtes à côté, messieurs. Parce que le concept peuple, notre population, est un concept moko polysémite, est un politologique. Est-ce que tu peux donner la raison qui vous pousse à changer ça? Abandi. Non mais c'est ça.
Quand toi tu parlais, je ne parlais pas. Jean-Pi, tu as cru. Écoutez, Jean-Pi, sur le plateau, tu as cru faire du bruit. Non, non, attendez. Sur le plateau. Dites-nous, donnez-lui, nous dites. Sur le plateau. Sur le plateau. C'est ça la moindre des choses. Tu as pris tout ton temps. Moi, je t'ai regardé. Je t'observais. Arrête ça. Toqué encore. Moi, je t'ai connu. Messieurs, messieurs. Là, tu as envie les choses. Ayebi, Ayebi, madame, je suis sérieux. Avec tous les sérieux possibles. Tous les sérieux possibles. Mon ami, bon, vous êtes dans la même profession, hein, mais Tiki Bino Bondo Mwana. Non, non, il n'est pas dans la même profession. Il a été plus magistral que vous. Il n'a pas, il n'est pas dans la profession. Il a été plus magistral que vous. Il n'est pas de la profession. En vous donnant des leçons élémentaires et rudimentaires, il y a droit au Bino Mbale Boyebi. Mais moi, je prends l'aspect politique. Madame, madame, il y a à l'obi que, à son maîtriser constitution, à son maîtriser droit. Mais comment tu peux empêcher un pouvoir de modifier et de réviser, c'est sous balle de quel article? Pour quelles raisons? Les raisons, il n'y a pas de raisons, baloba opportunité. Au moins, il y a deux mots, opportunité dans l'initiative. Allez-y pour eux. On parle de l'opportunité. Allez-y, dites-nous l'opportunité. Juriste Nyonso, allez-y de l'opportunité, c'est quoi? Mais c'est ça, s'il vous plaît. Madame, au moins une constitution, hein? Et puis c'est une pivot dans mon konziamboka. Il n'y a aucun débat. Tant que ça va la constitution, bisoto zakate. Mais bisoto lobi boyé, hein? Lelo, parce qu'il parle trop. C'est ok, Lelo, en bougemaï. Le président de la République est en train, il s'est déjà fini. Tu connais l'hôpital de la Mouya, au Kassai à Mbujimaï. Peut-être que tu n'en connais pas. Aujourd'hui, si vous allez voir, vous serez émerveillé de voir la construction de rocades dans la périphérie de Kinshasa. Aujourd'hui, parce que tu sembles le dire, le carburant a baissé des prix. Mais il faut amouter Mamabe. Que Moutounio sera dans Moutouka, mais Moutounio sera dans Mboulaka, dans Moutouka. Et que Madame la Première Ministre a lobby, ce n'est qu'un début. Nous sommes en train de combattre la vie chère. Et que d'autres projets, parce que nous avons quoi prendre, par un produit stratégique, c'est le carburant. Nous avons quoi prendre. Maman, nous avons comprendre que nous avons besoin que nous avons besoin de c'est-à-dire de deux, de trois aujourd'hui. Madame, maman a raison. Mais ton ami Joseph Kabila a de tristes mémoires. C'est lui qui a plombé ce pays pendant 18 ans. 18 ans, s'il vous plaît. Bien que tu aies été là-bas de manière prématurée. 18 ans, il a détruit tous les fondamentaux d'un État. Maintenant, il faut reconstruire ça. Bravo à Madame la Première Ministre, elle a été sincère dans son cœur. Habite au Komina Nouté, mais nous sommes à 80 Potobima. Madame a ébussé que depuis 1960, on est dans la refondation de l'État. Ça nous a pris du temps, mais on y est en avance. Parce qu'il y a bien été qu'il y a une notion de gestion d'un État. Il y a ce qu'on appelle le passif et l'actif. Il y a ce qu'on appelle la méthodologie et le répondant. Toké Sissoussou, pendant l'axaké, Jean-Pi, tu fais du bruit pour rien sur le plateau de télé. Maintenant, toqué dans la gestion moderne d'un État, que toi tu sembles ignorer, tous les ministres que vous voyez ici dans la République sont sous la coordination de la Madame la Première Ministre. Pour n'a pas un indicateur mouquet, oui, mais que n'a pas un indice à pays où il y a corruption, maka sous Félix, avec l'IGF, on a gagné plusieurs points. Aujourd'hui, avec Makamba droit de l'homme, c'est-à-dire l'image de la République, au Bino Boboï, avec Martin Fayoul et Moïse Katumbi, dont on s'en fout d'eux, on n'a pas besoin de leur avis. Madame, est-ce que nous sommes un modèle sur Madame, le droit de vous l'homme? Croyez que Martin Fayoul dit ce matin que Ndeko, par exemple, Daniel Safou, il est place à Zalie Zoebanate, Ndeko Bele opposition, il a traqué le journaliste. Traqué? Est-ce que nous sommes un modèle? Madame, traqué! Vous dites, selon vous et monsieur Monde, mais pas vous, hein, en tant que journaliste, la question, parce que je vous connais, vous êtes une femme intelligente et sage. Selon eux, les opposants ont un statut particulier avec des immunités. Selon eux, Jean-Pi Ngalula et ses amis Moïse Katumbi, et ils n'ont rien fait de mal, et que ce sont de saints qu'on est en train de poursuivre comme ça. Madame, c'est la RDC a gagné en termes d'image, en termes de visibilité, pour que les investisseurs
pour que tout ce monde-là, parce qu'on a peint ce pays. Pas en termes de responsabilité. Mais responsabilité, Zali, madame. Mais je vais vous donner, je vais vous évoquer des cas ici. Bardambe Miringa Nabimi Alobi, je suis sorti avec des joues juflues parce que je n'ai jamais été. Mais madame, oui, bien, Nene, Wazaki, ministre de la fonction publique. Il y a un cours. Oui, Abima Lobi, non, il y a la justice dans ce pays. Le droit a été dit. Donc, si c'est pour avantager pour eux, même Salomon Escadé là, il est sorti en prison, il est sénateur. Il était malade. Mais malade aujourd'hui, il n'est plus malade. Comment on expliquer qu'il n'est plus malade? Donc, c'est pour dire ceci, madame, c'est notre responsabilité maintenant de mettre les choses, parce qu'il n'y aura jamais, jamais des droits de l'homme sans ma vue. Très bien. Pour dire ceci, je demande au ministre de l'Intérieur, au ministre ayant en charge de l'Intérieur, la justice, les droits humains, et au service de nous rendre aussi la tâche facile par rapport, il y a ma procédure, il y a ma arrestation, il y a un simple beau petit invitation, au lieu de filmer les gens en train d'être arrêtés. Ça doit s'arrêter, ça fait partie des bavures, ça fait partie des erreurs que nous reconnaissons. Mais les fondamentaux sont là. Merci beaucoup, Mme Bokandeko, Ephraim Malobombo Kayo, Jean-Claude Katendemo, Koyabayabatalaka, droit de l'homme, à lobby élection, na conseil des droits de l'homme, mais Ali, bonne nouvelle pour le Congolais, mais Asengi, na pouvoir, Tshiseke, dit Aeba Bongo, a respecté le droit de l'homme, paix, na sens, wana, a libéré, ba Congolais, Nyonso, Bazali, na Boloko, pour la Makambetali, opinion, ba journaliste, ba homme politique, défenseur de droits humains, mais bon, on ne peut pas être content d'être élu au Conseil des droits de l'homme en continuant à déposer des actes de barbarie, de violation des droits de l'homme. Est-ce que vous partagez son avis, Malubombo Kayo? Merci, madame. Permettez-moi rapidement, nous allons répondre à la question. Mais là, ça, là, moi, bon en arrière, on a rencontré la proposition qui développait. Alors. Vous savez, Maître Jean-Pierre s'est vanté, il y a eu la Nzete, il y a eu depuis Kala, il m'a tati l'icolo. Mais tu constates seulement, madame, qu'au fil, il y a raisonnement avec Nzete et Koti Banyama. Et que Nzete en haut est poli. Voilà pourquoi le législateur a instauré la notion de retraite. Donc je pense que Maître Jean-Pifo, au Luka, comment qu'on réfléchit qu'aux retraites, non, en tant qu'avocat. Pas maté, madame, j'ai fait ici appel à une loi. Et pour qu'il me contredise, alors qu'au ben, principe général de droit, alors que tu as dit qu'il y a un principe, il y a hiérarchisation de normes. Ce qui m'a en face à évoquer loi juridiquement parlant, en juriste sérieux, bah brandissaka loi moussoussou. Bah y'a qu'un principe général de droit te. Bah m'a principe général de droit ezali inférieur y'a loi. Ou ezali ba notion élémentaire basique. Ou bah tani se kana première année de droit na université. Apparemment, à sota bako ouana. Alobi, gouvernement ou ezali gouvernement ali kelemba. A bo sa dit que gouvernement tout le président de la République ezali qui installé via élection. Et que ça dit procédure ou constitution, la vie, c'est d'aller prévoir. Moutou ou yé à zo rejoindre. Bango va utiliser, va développer ma canisse moussou sous madame pour accéder à pouvoir. Ou yé zali bon au dialogue. Pamate dialogue, on ne tient pas compte du pan politique. On ne tient pas compte du nombre de députés que vous avez. Finalité dans moi, zakani. Gouvernement et Union nationale. Donc, bateau, bazo ko canisse à que. Mo canabis, c'est d'aller gâteau et zali bango. Pamate bazo louka, ko sa la ou bodo ben la santé financière. Voilà comment il a mis à nu. Plan y a Martin Fayoulou, eux avec Oluka, tout simplement qu'au côté de l'institution, pour qu'on soit gâteau à mort à la vie, parce que décidé et considéré comme étant un gâteau. N'a pas de la professeur de Vos Kitoko, que moto et soka et n'a pas de house, bobe n'a pas de azali pour mettre à mal, le plan à bino pour qu'on s'éva qui, ou ezali bon n'a pas de échoué. N'a pas de par rapport à la question et l'élection, n'a pas de droit de l'homme. Madame, il faudrait ici dire que c'est une responsabilité. Au mot cannabis, ils ont porté, il y a posé la bongo dans le concert de nations. Nous sommes parmi les pays au monde où il y a consacré au sein de notre constitution des institutions d'appui à la démocratie. Donc, il y a à partir de l'article 208 qui donne l'article 211. Vous allez bongo dans la CENI, vous allez bongo dans la CNDH, etc. Vous avez une institution où la constitution a élevé la valeur constitutionnelle. Pambaté, législateur, a l'air qui ça l'ascension. Et je suis sûr que l'argument est favorisé Bissot. Élection à Bissot, na conseil à droit de l'homme, c'est-à-dire par rapport à Maïwana. Mais nous devons aussi retenir que le droit de l'homme, madame, est un idéal, est un processus. Un processus que l'on doit atteindre. Dans tous les pays du monde, il peut y arriver qu'il y ait des bavures. Même dans la plus vieille démocratie, les États-Unis d'Amérique. Tu as déploré que la mimité, la mort, il y a M. George Floyd, etc. Wazaki, bon, arrêté de manière arbitraire. Mais cela ne voudrait pas dire que le droit de l'homme est atteint aux États-Unis d'Amérique. Et ici, madame, j'aimerais affirmer
que droit de l'homme est allé respecter dans mon miso. Bon, et dire de tout le cas au bandeko bazos. Nazoya madame, tout ça est réellement quoi grave. Il y a article 23 de la constitution na biso. C'est vrai que ba reconnaître biso puis faut y avoir loba. Mais à l'inia de lobby, faut que loba na wana ezala conformément à la loi. Ceux qui ont violé miboko, le toi doit vouloir aussi que tu sois sanctionné. Ne place bandeko na biso opposition ba linga kate. C'est vrai que la constitution est reconnaître biso droit à marcher pacifiquement. Bon ça là ba marche pour revendiquer ba droit na biso. Mais dès lors que Bino Bozo a engagé Banamike, ici je prends le cas Fayoulou, quoi engagé Banamike, quoi bamba ba policier, ma banga. Quoi de plus normal que la police puisse disperser la foule? Parce que la marche est censée être démocratique et pacifique. Une fois que Bino Bozo est sous pour atteindre la pacificité, et que pourquoi Miko boucle, qu'on casse, qu'on pille, c'est normal qu'il y ait répression. Parce que si vous marchez démocratiquement, vous imitez, vous quittez, vous quittez, vous quittez, marchez. Vous allez dans le régime de Balobarabongo, il y a information. Pour informer l'autorité pour n'accueillir pas dans le marché. Mais il revient à l'autorité de prendre des mécanismes et à juger comment est-ce que la police nationale congolaise dans Zéla pour encadrer Bino. Parce que vous ne devez pas troubler l'ordre public au sein de la marche de Bino. Et ça, l'opposition n'a jamais compris. On ne respecte pas les droits de l'homme, on est en train d'arrêter les gens. Mais c'est normal qu'on arrête des gens qui commettent des infractions. Mais s'il y a bavure dans le domaine des droits de l'homme, la faute c'est au régime, la faute c'est na bateau, ba sali ango. Non, écoutez, madame, nous sommes, comme je l'ai dit, nous sommes en train de progresser. On a dit que la justice est indépendante. Et à l'heure actuelle, la justice est malade. Monsieur Constant Moutana a eu quoi administrer thérapie dans la justice Nabiso. Tu as vu vraiment bah, quelques cas, il y a bah, tout quoi que je ne tue pas pour ces propos. Bah, on a vu la manière dont ils ont été arrêtés, c'était un peu brutal. En violation même de l'article 16 de la Constitution. Mais vous souvenez que pour la première fois, le ministre de la Justice a pris une décision allant dans le sens de pouvoir sanctionner Bakangaki Bandeko de manière arbitraire. C'est pour vous dire quoi? C'est que nous avons maintenant en face de nous des dirigeants qui sont humains. Très bien. Des dirigeants qui sont en mesure, il y a quoi, bah, passe, il y a peuple, et puis quoi, bah, on a apporté bah, solution à Bango. Pas mbate, il faut qu'on redore confiance existentielle entre justice et la population congolaise. Justice, ouana oyo, ndeko jamping alouana kabila babomaki. Voilà pourquoi M. Antoine Félix, tu sais qu'au travers le ministre Constant Moutamba, a dit qu'on redore relation, il y a amour, il y a confiance entre justiciable. Vous avez au moins 2 minutes pour tout citer. Deuxième prise de parole, nous avons la question sur le droit de l'homme de Colombie. Il y a quelques cas isolés, mais en termes de droit de l'homme, certes, il y a des bavures, mais la RDC évolue. Qu'est-ce que vous en dites? Et votre mot de la fin, message à la population pour tout citer. Je demeure rationnel. Na plateau, na démontré, na motonio soit la nibiso que eza na opportunité mon côté, raison valable mon côté, urgence mon côté, blocage mon côté na fonctionnement en boka, o ezali quoi imposer que seule la solution c'est changer la constitution ou même modifier la constitution. Rien de tous les articles qu'ils ont développés ici, ezali na kokende ko vendi sa intérêt, il y a peuple congolais ezalité. Moi, je suis du côté de la population. J'ai toujours eu cette habitude-là, mais je crois que je dois la lever. Oui, je prends cette décision-là. Et c'est sur ton plateau que désormais, je vais commencer à tirer sur le parti écolo. À bout portant et sans gants. Oh. Et je commence tout de suite aujourd'hui. La première des choses, si réellement ce parti continue à exister, c'est que c'est une, parmi les désordres de la justice, c'est Mboka na biso. Comment ça? C'est un parti qui n'a aucun document officiel du fonctionnement. Ah bon? Et même vous, vous commettez cette infraction-là. Bien sûr. D'appeler écolo parti politique. Voyez, bien sûr, dans la Bible, on nous souhaite ça, ma bombe pour obtenir la mission. Mais quand on touche plus à ma personnalité, la langue apaisante. Très sagement, le vieux me connaît que la tolérera pas. C'est un parti qui existe que dans leur bouche. Rien, je te dis, rien du tout. Et ils ont eu même le courage d'implanter et leur babin siège. Et j'appelle le procureur général.
Après la cour de cassation, Firmin Vonde. En tout cas, après cette émission, elle a fermé cette histoire. Parce qu'ils n'ont aucun document. Ils n'ont aucun document de fonctionnement. Et en dehors de cela, c'est un parti qui ne se retrouve nulle part. Ni dans la majorité, ni dans l'opposition. Parce que pour être dans la majorité, il faut être membre de l'Union sacrée. Et ils se disent qu'ils ne sont pas membres de l'Union sacrée. Désordre même au sein de la politique congolaise. Et c'est un parti né de frustration, de non-satisfaction à un poste donné. Et moi, je ne suis pas en train de faire la politique pour être récompensé par un poste. Ça, c'est un. Lorsque nous parlons, vous dites que c'était un professionnel au Kindengia Lobby, éviter les termes. Sinon, après l'émission, je vais les mettre en justice. Quand il n'est pas avocat, il ne faut pas dire qu'il est avocat. C'est une profession très noble, exigeante, qu'on n'accède pas d'une manière en désordre. Non, on arrête. Je voulais dire à Kouloutou Mbenza une chose. Il doit savoir ceci. Ne jouez pas avec les mots pour justifier votre bêtise. Non. Kabouya, c'est les conséquences exactes. Il n'y a aucun de Goulouga qui a changé ma constitution. Toujours dans ma deuxième mandat. Allez au Guinée. Allez au Gabon. Allez au Mali. Nous, on ne va pas citer. Allez leur demander. Cherchez Alpha Condé. Posez-lui la question. Ils vont vous dire que cette habitude ici a telle conséquence. RDC continue à nier les Nations Unies. J'ai vu, comme ça, le la moins actualité, et ça, vous avez encore à croire l'histoire. Mais Batius Barroso a envoyé par histoire, mais Mbenza zo sala nanko. Oui oui. Atterration de la vérité, zo kunda vérité pour yé banaté. Déjà un certain lundi 17 octobre 2017, RDC déjà sous Kabila, comment est déjà membre té? Et comment est déjà membre kuna na katiani no na droit de l'homme wana? Et comment est déjà kuna? Ils ont exercé. Sous Mobutu, il y en a eu encore. Ce n'est pas pour la première fois. Et qu'est-ce que cela a plus d'intérêt dans le fonctionnement de Kanabiso? Biso Mbokanabiso n'est pas en train de faire. En tout cas, Biso le loto mitia va poudre tout pour te kotikuna. Et c'est pour la première fois. Qu'est-ce que mon peuple gagne sur le transport au Batouba au souffrir dans Zela? Collier à Pasio et Maï. Est-ce que vous savez que le Congo, c'est l'unique pays au monde où Kureye, Moutalobi, Nzamba Koumissa? C'est seulement au Congo. Moutazo Koumissa, Nzamba, pas Moni Kouran. Maïe, Batouba, Niko Bundana Pompe. Attendez! Maïe, Batoubani, Kobundana Pompe, Tournanga, tout ça dans un pays comme la RDC. Nous sommes l'unique pays au monde où vous trouvez Mabezo Kosalema, Batoubazo Betelana Bangongo Maboko. Plus grave, tout ça même honorable, Moussous, comme on a eu un batangé la Mobanabo, et c'est sous-souté. Sur la bande, on a la liste nominale, il y a honorable à l'Assemblée nationale, puis ce photo, on a la bande à la biseau. Honorable Mabindi Kolobor, est-ce que ça c'est un nom? Qu'on peut porter. Non, non, tout ça, on le voit non, que dans ce régime. C'est un honorable. C'est un honorable. C'est son nom. Non, mais c'est son nom. Est-ce que ce nom-là, c'est facile? Au Banina Bana, Jacques Ndjolia Zobé Nabakombo, honorable Mabindi Kolobor, vous êtes avec l'enfant. À l'essentiel, je suis en train de te dire. Il faut dire à Félix Tshisekedi et à notre régime, où est-ce que Salema Kala, et ça reste actualité. Où est-ce que Salema Kala, et ça reste actualité. Et ça reste actualité. L'actualité pour le moment, et que là, ma sang est commis la combien. L'actualité pour le moment, Bounagana te récupérer. Actualité pour le moment, Ezali que, Batoba va souffrir la injustice. Actualité pour le moment, Ezali que, les gens doivent se conformer. Merci l'actualité beaucoup. Pour le moment, Ezali que, Congo Airways, Ezonga Bandiko Salamosala. C'est ça les actualités. Pour le changement de la constitution, qu'ils arrêtent de penser qu'ils vont changer ça. Nous allons leur changer à la place de changer la constitution. Ils doivent mettre ça dans leur tête. S'il vous plaît, Maton Domingue Deko, Joseph Mbenza, votre mot de la fin aussi, ça. Hollanda qui intervient, Moïse Katoum, qui dit... mot de la fin, aux yeux déjà, mot de la fin. Qui dit qu'il y a une vie après le pouvoir. Vous avez quand même suivi... J'apprends peut-être. Peut-être il évoque des pays qui ne maîtrisent pas. Surtout les pays où ils ont outrepassé des mandats constitutionnels de leur pays et le contexte de l'RDC ne s'y prête pas. Des gens qui ont fait 10, 3, 4, 5 mandats. À la base, c'était messieurs, quoi messieurs, quand tu parlais, moi je ne parlais pas. Les changements de la deuxième des choses. En tant que juriste, en tant qu'avocat, en tant qu'un homme de droit, il n'a pas rencontré
sur base, il y a initiative, non opportunité. Donc, il a été dans la divagation et dans des élucubrations et dans des foucades. Ces messieurs. Donc, dans le fait, nous nous avons apporté des éléments qui obligent que la Constitution soit partiellement. Quel élément ? Moi, je suis de ceux-là qui voudraient que. Token est partiellement, parce que ceux qui toquent un changement total, ça va appeler à beaucoup de choses. Alors. Madame Bakongolais, l'intention de réviser la Constitution, c'est pour protéger notre pays. Quant à ce qui concerne Kolia Bakongolais, nous reconnaissons qu'il y a des vrais problèmes. Mais les solutions qui sont en train d'être trouvées, ce sont des solutions idoines. Pour les Congolais, nous sommes. Et maman Premier ministre se bat avec son gouvernement pour que vie chère. Et si là, baisse des prix et comment effectif. Il y a un peu toujours sensibilisé bande qu'on a vu sur le chauffeur, bah ouais ouais, bah taximen, non bah taxibus maman. Au bande où sont bah carburant cher, au comment sont bah carburant moins cher, au bon on quitte ça. Ça c'est le côté mouté maman B. Il y a biso bah congolais. L'État doit s'imposer. Il y a un autre côté toujours ben la surtout ministre provincial il y a transport, Monsieur Dos Ndombasi, désactiver par rapport à retirer la biso. Sinon t'es bâton là baso qu'on exploite population, baso qu'on y bat l'État. Bazo Ibana population, au vice-premier ministre, au ministre de l'économie, messieurs, il faut que, mais son excellence, il faut vous larguer, vous lancer plutôt bah, inspecteur sur terrain, pour bah, yé, bah, parce que bah, yé, bah, prix à dans le réseau qui t'a, bah, augmenter le bah, prix, parce que, bah, yé, que ceux qui bah, si, bah, ont quitté ça, bah, on en a une fourchette, moro, c'est très dangereux. Donc, nous encourageons Madame la Première ministre dans son travail et que bah, Congolais d'ici un avenir proche, bah, Congolais, bah, mais qu'on lit quand même plus ou moins merci de manière beaucoup, acceptable. Merci beaucoup, Ndeko Ephraim, votre mot de la fin qui est retenu de votre passage sur ce plateau. Merci, madame. Yambona Lobatika Ngala, pour Eko les Aliki, cité à tort et à travers Awa. Mettre à l'obé en face que Eko n'a aucun document. Il n'a pas dit que c'est une fausse information et que notre pays sait sur quoi information est vraie. Maître, regardez-moi quand je vous parle. Parti Eko, à ce jour, a tout le document notarié. Tout le bac en science politique, l'administration est rébarbative. Votre arrêté porte quel numéro? Constitution en Mboka Nabiso Ezali n'a plus de 200 articles. Voyez-vous ça? Et Bango Balimba gère le pouvoir politique. Alors que dans le plateau, na yo, règles sont simples. Mouninga Zolo Bakoma. Ceux qui ont respecté les règles, est-ce que ceux qui ont le pouvoir politique vont respecter la Constitution Ezali n'a 200 articles? Peuple congolais a jugé. L'administration est rébarbative. C'est-à-dire que ceux qui partent et collent, et ça, l'union, il faut que ça, la pône, on a un document, tout le l'administration publique va documenter. Il revient à l'administration publique de nous octroyer l'arrêté. Mais à ce jour, nous avons nos statuts notariés et on peut déjà exercer en tant que parti politique. Ça, il doit le noter. Deuxièmement, à l'objet, encore ma position a mis sauté. Je réitère, nous sommes au pouvoir. Et il n'y a aucune disposition de nos lois qui dit que pour être au pouvoir, il faille nécessairement qu'on signe une charte, il y a une union sacrée. Parce qu'au pouvoir, depuis que Mboka a instauré depuis, regard sous le régime de cette constitution, depuis 2006, il n'y avait pas l'union sacrée avant, mais il n'y a pas eu le genre du pouvoir. D'où il tire cette réflexion que pour soutenir le pouvoir, il faille nécessairement entrer à l'union sacrée. Donc, il doit arrêter un peu ce genre de. Madame, je vous ai donné des arguments à l'appui, l'opportunité de réviser partiellement cette constitution. Différemment de Maître Jean-Pierre Ngaloua, qui n'a fait que jacasser. N'a quoi invité pour nous rechiter, peuple congolais, à adhérer rapidement à la parti politique écolo. Nous allons bongo na siège national, nous allons venir nous voir numéro 147, na commune à Kinshasa. Ce qui permet de nous appeler ça numéro, na va congolais, nous allons contacter Bissot, 081 954 70 65. 981 954 70 65. Il y a quand même un nouveau numéro 147 à commune à Kinshasa. Soit contactez Frémi Yangon Azali, secrétaire national en charge du procès électoral,
Tu voyais bien orienté pour ton côté dans le parti de notre génération. Merci beaucoup, c'est la fin de l'émission. Merci à l'invité Bazaki Nabisso. Merci à Bino Bande Kotokutani Naposu et Zali Koyana. Toujours avec le même plaisir de vous servir. Kimela Motanabino et bon début de week-end. Je vous au revoir.